Salut à tous, c'est Tania. On se retrouve pour l'épisode 8 du Let's Play sur Eden Eternal en compagnie de Yuko. On n'est pas ensemble sur Skype donc elle va pas pouvoir parler. Mais ouais, bonjour Yuko. On va se parler par le chat. Donc on va continuer la quête de. Oh, ça m'énerve ça. On va continuer la quête d'aller récupérer l'objet Pierre inconnue auprès de Pierre de Gosse. Je lui dis c'est quoi qu'il faut aller battre parce que. Elle n'entend pas non plus. Alors, René Pierre de Gosse, c'est ici. Voilà. Puis elle va m'aider à faire mes quêtes aussi, ça va aller assez rapidement d'après moi. Ouais, bon, ça va aller très rapidement même. Je lui ai écrit, ça va être rapide. Juste pour. Parce que je sais que c'est pas très gros le chat. Donc vous voyez sûrement pas ce que j'écris. Ouais, peut-être que vous voyez, mais je suis pas certaine. J'ai 3 sur 6. C'est les années qu'il faut battre. Hop là. Année. Voilà. C'est ultra rapide, elle est one shot. C'est n'importe quoi. Wow, ok, 5 sur 6. J'en reviens pas comment c'est rapide. Voilà. Ça va vraiment être hyper rapide les quêtes, ben ça va être bien, on va pouvoir faire beaucoup plus de quêtes dans cet épisode. Comme je le disais tout à l'heure, elle me dit tu montreras plus de choses au moins. Non, comme je le disais tout à l'heure, avant qu'on tourne la vidéo, je me souviens plus ce que je voulais dire. ce que je disais. Ah oui, c'est à cause, par contre, le problème c'est que j'ai moins monté ma classe. Je vais moins monter ma classe parce qu'elle est quand même plus haut level, sauf qu'elle a mis en mode initiative. Ça veut dire que si c'est moi qui attaque en premier, je vais recevoir toute l'XP et les objets. Alors que si c'est elle qui attaque en premier, elle va recevoir toute l'XP et les objets. Ah, d'ailleurs, je vais juste monter de niveau 4 sur 8. Ouais. Mais le problème, c'est que. Vu qu'elle est assez rapide pour les battre, ben ça va être. Comment dire? Ça va être hyper rapide pour faire mes quêtes. Donc je vais pas avoir l'XP, mais je vais. Comme je le disais aussi tout à l'heure, j'aurai juste à. Comment dire? Ah! Je perds mes mots. J'aurai juste à. Je perds vraiment mes mots. Désolée. Je perds mes mots, oui. J'aurais juste. Ah oui, à farmer hors caméra. Donc, étonnez-vous pas si je monte de niveau entre les épisodes. Pour le moment, je fais vraiment un let's play où vous voyez toute ma progression. Mais plus tard, quand ça va être plus dur de monter de niveau, pour le moment, c'est pas tellement dur. Mais quand ça va être rendu plus dur de monter de niveau. Je ne vais pas vous montrer tout parce qu'il y a des quêtes répétables que ça va être vraiment long à force. Vous allez trouver ça long. Quand on fait les 4 répètes 10 000 fois, ben peut-être pas 10 000 fois, mais. Des fois ça s'approche de 10 000 hein, quand on est rendu au level, mais ouais, pas 10 000 là, mais. Ouais, c'est beaucoup. Donc c'est ça, quand je vais faire les 4 répètes, je vais pas vous les montrer, je vais vous montrer juste les 4 principales, puis peut-être quand on se craft des objets. Là, il y a un paramètre que il faut que je mette. Personnage invocation sur soi, ben ok. Quand je fais ok, bizarre. Bon, dingo. Ah, il est là-bas. Parce que quand je faisais en invocation de soins, ça ne soignait pas. Je me demande ce qu'il y a de mal réglé ici.
Voilà. Elle one shot, j'imagine. Ouais, elle a one shot. C'est pas possible. Ça va être vraiment rapide. Bah, c'est bien, on va faire plus de quêtes ensemble. Mais là, je comprends pas pourquoi ça me fait pas mes invocations sur moi. Mettons que je prends ça, puis que j'essaie ça. Puis que. Oh! Je faisais pas soin! Ok. Bravo. Ah, ok, je viens de comprendre. Je vais essayer ce poisson. Ah, parce que ça, j'ai déjà joué Claire avec une autre partie, là je l'ai effacée parce que ça faisait trop longtemps. En tout cas, c'était un peu rendu bizarre, mais bon. J'avais déjà joué Claire, puis je mettais tout le temps. Je mettais tout le temps soin, guérison, pardon, pas soin, guérison, en premier, ici. Donc là, j'ai pris l'habitude, je sais pas, de. J'ai pris l'habitude de faire un pour me soigner, mais c'était pas ça. J'ai juste un peu de connaissance, donc on va pouvoir augmenter notre level. Et je suis pas encore niveau 25, presque niveau 25, je vais pouvoir bientôt avoir dressage nomade des familiers. Ah, ah j'ai un succès. Et ça m'amuse à me faire des succès. Bon, vous voyez, j'ai. Oh, ça va bien ensemble, je trouve. Bon, bref, j'ai le bouclier et l'arme qui vont ensemble. Non, ça va pas ensemble, mais je trouve que ça va bien ensemble. Précision ou esquive? Je suis niveau 25. Accepté. J'ai fait des succès, oui. quand on est en groupe, donc quand. Si on fait les. Si quelqu'un fait tuer un boss, ça va donner le succès à l'autre. Donc ça c'est bien. Voyons voir. Gorigolin. Voilà. Voilà. Il faut récupérer que les lots auprès de gorille. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Il faut pas que je me trompe d'attaque. Ce serait dommage. Ah, faut vraiment que je me réhabitue au contrôle. Ah, fini. La quête est déjà finie. Je suis pas habituée que ça soit aussi rapide. Et gorille, chauve-souris. Je l'attire ici. Hop, là. Gorille chauve-souris, donc c'est comme les gorilles volants en fait. Ouais, ah, j'ai oublié le nom de mon familier, j'oublie tout le temps. gorille chauve-souris, ah, ici il y en a un. Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré les fragments de cartes, je les garde pas. Enchantement, je vais voir sur quoi je peux le mettre. Je vais peut-être jeter parchemin. Ça c'est quoi? Niveau 20. Ça sert à rien. Fini. Tenez. Ça c'est. Faut que je le mette. Ça serait peut-être utile. Confirmer. Accepter. Et je vais vendre ce que j'ai. Je vais vendre ce que j'ai, donc ça, 118, 135, c'est mieux ce que j'ai. Hache, j'en ai pas de besoin. Anneau serti, niveau 15, j'en ai pas de besoin. 72, c'est mieux ce que j'ai. Confirmé. Bah, c'est plus. Ouais, c'est mieux ce que j'ai. Les bottes, c'est mieux ce que j'ai aussi. Une masse, 1068, c'est mieux ce que j'ai. La guitare, je sais pas. Ça encore. 91, c'est mieux ce que j'ai. Et la hache, j'en ai pas de besoin. La ceinture, c'est mieux ce que j'ai aussi. Voilà. Alors, il y a les. Élites qui arrivent. Donc je vais pouvoir vous montrer ce que c'est, je crois que je vous les ai montrés dans le dernier épisode. Hey! Les élites! Oh là là!
Il était là il y a 2 secondes. Oh là là là. Il était. Ok. Elle les a carrément one shot. Bon. Je vais vous montrer c'était quoi les élites, mais elle les a one shot donc. On va oublier. Oh là 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 là. Eh. Mais c'est pas toi que je veux qu'il m'attaque. Voilà. 2 sur 6. Il m'en faut encore 4. Là, faut que je batte des cactus. Oh, les élites sont là. Bon, là, c'est à moi. C'est à moi, les élites. Oh. Oh là là là. Bon, pas grave. On a eu la boîte mystère, au moins, je peux. J'ai ça aussi. Va y avoir. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne encore des cristaux de jade rare et 10 potions de soins en moyenne qui sont niveau 30. Donc je peux pas les utiliser tout de suite, mais quand j'aurai le level requis, je vais pouvoir. Alors, je vais placer mes potions ici parce que là je vais avoir d'autres sorts. Pas d'attaque. Je vais les mettre là, donc je préfère les prévenir. Prévenir, oui, je préfère les. Je préfère les mettre là. Alors, hey, il veut pas m'en looter. Il m'en manque juste 3 là, allez. Celle-là, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, c'est bien ça. Mais il en manque 2. Là, il y en a un. Non. Et là, non plus. J'ai vraiment pas de chance là. Ah, là, il y en a un. Je l'ai vu. Il était là. Il est plus là. Il est plus là. Quoi? Ok. J'étais sûre qu'il y en avait un. Ah là là. Faut que je trouve des cactus. Je suis en train de préparer une nouvelle série encore. Oui, je prépare beaucoup de nouvelles séries, mais j'en sors pas beaucoup parce que c'est assez long à préparer. Cette série-là, j'espère que vous allez l'aimer. Je vous dis pas tout de suite c'est quoi. Mais il fallait que j'en parle parce que j'ai rien à dire. Ah, parce que c'est très passionnant de battre des cactus. Voilà. Nicolas, il est où, Nicolas? Oh, il est loin. Faut faire comme ça. J'ai oublié de marquer mon nom. Il y a une élite là-bas. Ah, je vois l'élite. Il l'a. Toi, t'es l'élite. Allez. C'est à moi ton loot. Yay! Alors, on a encore battu une élite. Grâce à Yuko, parce que ça aurait été un peu plus long, disons, de battre l'élite sans elle. Ah, et là on a reçu ça, je vais pouvoir montrer ce que c'est. Et là on a reçu une potion de vitalité niveau 30, donc on peut l'utiliser tout de suite, ça va donner plus 117 de PV. Alors quand on va être rendu chez Nicolas, on est presque rendu. Bon, je vais vous montrer ça. Boîte à jeux cassée pour familier, c'est quand on va l'ouvrir, il va y avoir quelque chose pour les familiers au hasard. Il faut que notre familier soit niveau 30. Pas nous, parce que vous voyez, nous on est niveau 25, puis une famille 21. Quand nous on va être 30. Il va pas être forcément 30, donc on va pas forcément pouvoir l'utiliser. Mais quand il va être 30, on va pouvoir lui donner c'est un équipement une main, donc ça va l'équiper ici, puis ça va lui donner des bonus d'attaque. Sur ce qu'elle donne, plus 545 d'attaque physique et 545 d'attaque magique. Donc c'est quand même pas pire. Alors, ça va assez vite avec Yuko. Très vite. Ah, j'ai pas encore utilisé mon cristal béni. On va le faire tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu pierre de sécurité. On a reçu des potions de mana. Des potions de vie. Oups. Cendre. Je voulais pas faire ça.
On a reçu. Ah, on n'a pas reçu ça, mais je veux pas l'avoir. On a reçu, je crois ça. On a reçu des appels mondiaux. Est-ce que ça se peut? Sûrement. Peut-être un marteau de réparation, on l'avait déjà avant. Enfin. Les pierres de sécurité, je vous montrerai peut-être un jour. Ça. C'est quand on utilise les parchemins. D'ailleurs, je peux vous montrer là. Oh. Si j'utilise un parchemin comme ça, mettons parchemin de garde. J'ai rien sur quoi l'utiliser, ça me tente pas l'utiliser. Mais si j'utilise ça. Mettons que j'utilise sur. Je peux utiliser ça. Oui, je peux utiliser ça, c'est bien. Pour le moment, c'est à 100%. Mais quand ça va être rendu ici, ça va demander, diminuer à 64%. Puis si j'utilise une pièce de sécurité, ça va augmenter à 100% le taux de réussite. Donc je vais pas avoir de chance de perdre mon objet. Oh, mignonne! Elle est mignonne comme ça. Bref, dragon à griffe de roc. Et Mathias, on va y aller tout de suite. On fait une holla. C'est quoi une holla? Je vais juste joindre mon homme ici, confirmer. C'est quoi une holla? On va attendre qu'il réponde. On se met en ligne sur un Pega. Faut mettre mon alpaga. On n'est pas parti en même temps. Il va partir en même temps. Ah! On est parti en même temps! Youhou! Très sain, ça s'écrit comme un sain. Bon. C'est magnifique. On est tellement synchronisés là, ça n'a pas de bon sens. Wow, je suis partie très très en retard. Non, 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 mais. Et go! À peu près, on est parti à peu près ensemble. Bon, je battrai. C'était magnifique. Vous avez vu une démonstration de danse synchronisée. C'était génial. On a combien de temps là? J'ai oublié de regarder. Ah, ah, y a des. Oh, il y a des élites. C'est à moi. Non. Oh, j'ai eu la mystérieuse box pareil. Ça m'a donné une potion de vitalité. Et ça me donne. Des cristaux d'Asby. J'en ai assez pour les échanger. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait. Oui, on va voir, il faut que je batte des dragons. On va battre ça tout de suite. Je sais même plus ce que je disais. Je me perds. Ah, je suis montée de niveau encore. C'est le fun ça. Qu'est-ce que j'augmente? Virus en général, vitesse d'invocation ou critique magique? Non. Mais je comprends pas, c'est le mal généré par quelque. Donc on fait moins 2% de mal pour pouvoir avoir. Pour pouvoir avoir ça, qui fait associer au marteau de spin. Ok. Je vais peut-être pas le prendre. Faut que je trouve. C'est pas eux qu'il faut que je vote, mais c'est pas grave. PM max plus 2%. Soin plus 3%.
Bon, je vais augmenter ça. Et alors, il me faut encore 3 gras écailles de roc. 3 dragons à écailles de roc. Alors, voilà, fini. Bat Mathias. C'est là-bas. Mathias, Mathias. Mathias, c'est. Lui. D'accord, je l'ai pas su. C'était très rapide, j'ai même pas eu le temps de dégainer ma masse. C'est même pas une masse. Oui, c'est une masse. Oui, c'est une masse. Que je l'avais tué. Oh non, c'est loin. Bon. Tu m'énerves. Attends. Bon, ok, va-t'en, pas de port. C'est moi qui vais m'en aller. C'est loin, donc je vais faire ça. Non, pas ça, ça. Et je vais aller chercher Pierce. Pierce, c'est le maire. Je vais prendre celle-là parce qu'il y a quand même une guérison en général. Et on a la quête du donjon, il y a 21 minutes. Est-ce qu'on a le temps? Les épisodes, normalement, c'est 20 ou 30 minutes. On va dire 30. Au pire, on dépassera un peu. Il reste 10 minutes à l'épisode. Et j'ai la quête du donjon. On le fait et on arrête après. Donc on va faire le donjon. C'est parti. Ça va être le donjon caverne des schistes 1. Non, pas 1. C'est la quête qui s'appelle comme ça. Tu prendras les packs et je brûlerai. D'accord, si tu veux. Parler à garder le même chien. Voilà. Est-ce que j'ai reçu. Oui, j'ai reçu ça. Botte de mon. Je mets. Je jette. Je vends. Je vends ça. Et je vois si je peux m'acheter une masse. Est-ce que je peux m'acheter une masse? C'est un bâton? Non, c'est une masse. C'est bien les masses. Je crois que c'est bien les masses, oui. Niveau 25, plus 1800, ça vaut vraiment la peine. Mais je crois qu'on peut l'obtenir sur le boss de. Sur Giro. Je vais attendre avant de l'acheter, peut-être. Ouais, je vais attendre avant de l'acheter. Go! 11-0 sur 2. Alors. Go, go, go! Ensuite, toi. Voilà. C'est bien, ça va me faire bien de l'XP parce que c'est en mode initiative, je vous rappelle. Ouais, donc c'est moi qui récupère l'XP. Ainsi que les loot. Donc c'est bien pour elle aussi, elle va pas avoir plein de loot qu'elle a pas besoin vu qu'elle est pas mal plus haut level. Elle a pas besoin des loot de donjon ici. Go! Alors, ça va assez rapidement. D'ailleurs, mon XP monte aussi très rapidement. Je vais prendre. Je vais me soigner un peu quand même. Ça va être très rapide. Très très rapide comme donjon. Ça va être bien plus rapide que 10 minutes. Après, on va avoir fini avant 10 minutes. 202 nécessité. Eh, attends un peu. C'est
202 contre 135, je mets. Alors, ici, on s'en fiche. Elle est one shot presque, donc. Ici. Voilà. Voilà. Ah, monter de niveau. Ouais, non. Oh! J'ai des titres, des nouveaux titres, non? Oui. Donc, je mets ça. Je m'en fiche un peu de la force ou l'intelligence pour le moment. On en gagne tellement souvent des titres que. Alors, le boss. On pourra pas le. Break, elle est quoi? Templier? Ok. Ensuite, 4. Voilà. Eux sont plus forts, mais ouais, non, ça va être aussi rapide avec son attaque. C'est très très rapide. Là, et lui, là. Je crois que c'est elle qui a eu l'XP pour lui, mais c'est pas grave. Pour ce que c'est, de toute manière. Oh, un petit freeze ici. Voilà. Et on est déjà rendu au dernier boss après avoir fini de battre ce géant. Et voilà. Ok, donc là on va essayer de le broken, de le break, donc descendre sa barre de mauve au maximum. Ah ben, on a réussi. Ok. Par contre, on n'a pas récupéré de loot très important, donc c'est dommage, mais on aurait eu une chance de l'avoir. Hein? C'est mieux l'équipement que j'ai en ce moment que bon, bref. Et j'ai monté de niveau. Il y a un loot là. Oh, c'est elle qui l'a. Ah, niveau 20, j'en ai besoin. c'est quoi? Résistance. Ouais, bon. Pour ce que c'est ça, j'en ai pas de besoin. Voilà. ça a duré 8 minutes environ. Ça a duré à peu près. Je vais mettre cette note. Voilà, j'ai reçu des trucs que je veux vendre. Donc, puis en même temps, je vais m'acheter la masse ici avec ça s'appelle comment cette monnaie-là? Monnaie. Des médailles de cristal. On les obtient en battant des boss. Donc voilà, j'ai acheté ça. Je vais mettre ça. Et je vais pouvoir vendre. Je vais pouvoir vendre ma masse, mon ancienne masse. Les gants. L'anneau. L'anneau. La robe. Et voilà. Je vais aller récupérer ça. Et j'ai monté des niveaux de personnages. J'ai augmenté mon séisme. Ça fait 5. Et guérison aussi. Punition divine. Non. Guérison de vie, je vais le monter au max. Voilà. Ça va bientôt être la fin de l'épisode. Fait qu'avant toute chose, vous avez vu, j'ai ma guilde. On l'a fait dans le dernier. Il y a deux épisodes. Ouais.
vrai que je crois que c'est il y a 2 épisodes qu'on l'a fait à la guilde que je l'ai créé. Donc, si vous voulez entrer dans la guilde, vous avez juste à m'envoyer un message privé sur YouTube, sur mon Twitter, sur mon Facebook, ou encore m'envoyer un message sur Eden Eternal directement. On a juste à se donner un rendez-vous pour qu'on puisse se connecter en même temps, pour que je puisse vous inviter. Parce que j'ai pas les mêmes horaires que beaucoup de monde. Parce que je suis québécoise, je vous rappelle. Et bon, pas tout le monde est français, mais la plupart des gens qui parlent français, normalement, sont français. Il y a tout le temps des gens québécois, mais il y a plus de français que de québécois. Donc, forcément. On va se quitter ici. Merci Yuko d'avoir été là pour l'épisode. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je suis sur Twitter et sur Facebook, les liens sont dans la description. C'était Tania. À la prochaine. Pas de quoi, quand tu veux.